là. Donc, je vais voir mon patron. Avant de postuler, je lui avais demandé, est-ce que je peux, ce concours m'intéresse, est-ce que je peux? Il m'a dit, oui, tu peux. Et quand je me suis présentée et que j'ai été admise, je suis allée le voir pour demander les autorisations administratives. Il m'a dit, et puis tu vas aller être diplomate pour nous laisser. Moi, vivant, tu n'iras jamais. Il me l'a dit et il a tout déployé pour que ça se fasse. Et pour compenser, j'ai fait un bébé, j'ai fait ma fille, je ne regrette pas du tout. Parce que ce sont des expériences qui m'ont grandi et qui m'ont donné la niaque. Et parfois, quand je suis devant des difficultés, je me dis, ça doit faire partie de mon parcours, mais pas arrêter mon parcours. Bon, déjà, il faut dire que cette soirée permet à toutes les femmes de montrer ce qu'elles ont de plus beau. Parce que moi, je vous dis, la femme, c'est pas que la beauté extérieure, mais c'est d'abord ce qu'elle a. Donc elles permettent aujourd'hui que les clichés soient belles. Qu'on nous dise plus que les femmes sont là juste pour être belles. Elles ne sont pas en mode sois belle et tais-toi. Mais si je bosse, j'avance et je me bats pour ma famille. Le motif, on va dire, c'est Dieu qui me donne la force d'aller toujours au-delà, malgré les difficultés, malgré les tout bas. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est pour lui qui met la clé jusqu'au bout. Et enfin, l'habitude de dire que la panne d'or, réservé à ceux qui vont jusqu'au bout. Ça pour moi, l'être motivé, c'est d'aller jusqu'au bout. Moi je dirais à toutes les femmes, déjà, juste parce que tu es femme, tu es précieuse. Parce que tu n'es pas femme qui veut. Donc c'est une grâce, c'est un privilège d'être une femme. Ne mets pas en péril ce précieux trésor que tu as. Généralement, tu le fais certes, parce que tu ne connais pas la valeur que tu as. Un enfant, tu donnes un diamant à un enfant, il pourra le jeter dans la boue sans en juger la valeur. Alors que toi, tu vaux plus qu'un diamant. Donc prends soin de toi, lève-toi, bats-toi, et tu seras une fierté pour ta nation, mais aussi pour ta famille, pour tes proches, et pour ceux qui t'aiment. Dernière question, qu'est-ce qui vous rend fière d'être femme? Tout me rend fière d'être femme. On va le dire ainsi. Je suis juste fière d'être femme.